Recoucou tout le monde. Alors je vous fais une petite vidéo transfert. Je voulais vous parler des papiers transfert de chez Action qui sont très bien. Moi au début je les ai énormément utilisés avec mon fer à repasser. Malgré que ce soit une centrale vapeur, je me suis rendu compte que le transfert à force il s'émiettait sur les t-shirts ou les tote bags. Et les t-shirts avec l'élastane, comme ils sont élastiques, bah ça arrache le transfert. Donc du coup comme j'ai un petit cadeau à faire, j'ai pris une taille au-dessus. Donc je vous ai montré le t-shirt dans le haul. Vous savez, c'est les fameux t-shirts de chez Action avec 95% de coton et 5% d'élastane. J'ai imprimé mon petit transfert. Alors là, vous voyez à l'endroit, mais surtout quand vous l'imprimez, moi je travaille sur Silhouette parce que j'ai la Silhouette Cameo. Comme je fais des badges, des tote bags, tout ça, je travaille avec Silhouette. Donc je pense que sur Word, vous pouvez le faire aussi. Vous mettez votre image, votre écriture, vous l'imprimez surtout en miroir parce que quand vous allez le transférer, sinon votre écriture va être à l'envers et vous le positionnez. Donc je vais tâcher de vous montrer. Là, je le place. Je place mon papier de transfert. Je prends un papier de cuisson. Je vais tâcher de vous montrer. Ma machine, elle est là. Voilà, la grosse machine. Donc j'ai bien placé mon sujet, mon transfert. Voilà. Je passe. Hop, papier de cuisson. On baisse. Donc c'est vrai que c'est un peu dur, mais bon, vous allez voir. Donc ça prend une minute. Donc j'espère que ça va pas être trop long pour vous. Je peux peut-être vous montrer un tote bag que j'ai fait. Maintenant, je les ai tous rangés, ils sont tous dans ma caisse. Mais je vais peut-être vous en montrer un. Que vous voyez un petit peu de quoi il en retourne. Hop. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer par exemple, j'ai fait celui-là de tote bag. Vous voyez. Donc à la maison, c'est papa qui commande quand maman n'est pas là. J'en ai fait plein des comme ça. Je vous en montre un autre le temps que ça cuise. Hein. Il y a version garçon aussi. Hein. Que la force soit avec toi, bien évidemment. Et puis l'incontournable licorne. Hein, sans la licorne, ça ne serait pas moi. Je peux pas, j'ai licorne. Donc ça, cette licorne-là, c'est une licorne qu'un ami m'a ramené, un tampon qui m'a ramené des États-Unis. Ah, c'est fini. Que j'ai scanné sur mon logiciel et j'ai pu récupérer. Donc là, on soulève, on enlève le papier de cuisson, on attend un petit peu parce que c'est chaud. Je vais éteindre la machine parce que je n'avais besoin que de faire ce t-shirt là. Ouh, c'est chaud et je vais essayer de vous remettre la caméra. Hop, j'espère que vous n'allez pas avoir mal de mer. Donc là, c'est un peu refroidi, légèrement. Légèrement. Et là, on va venir enlever le papier tout simplement. C'est encore chaud. C'est encore un peu chaud, donc j'attends encore un petit peu. Et voilà, c'est fait. Et, tadam, vous avez un t-shirt. Voilà. Et le t-shirt, c'est... Je s'appelle Crew. Donc voilà, donc c'est un petit cadeau, ça fera le temps que ça fera. C'est un petit cadeau que je fais à un copain, voilà. Donc j'espère qu'il sera content, il aura enfin son t-shirt. Je s'appelle Crew. Voilà, c'était la petite démo du papier transfert de chez Action. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt, et puis scrapez bien.